Bonjour à tous, bienvenue dans les tutos de l'atelier. Aujourd'hui, on va vous présenter comment vous connecter au site Memo, comment personnaliser son identifiant et son mot de passe, et le plus important, comment vous allez pouvoir réserver un document. Donc, pour vous connecter sur le site Memo, vous tapez memo.cc-cotobellevue.fr. Vous avez aussi l'adresse sur votre carte Memo. Ensuite, vous allez vous connecter sur Mon compte. Vous allez donc saisir l'identifiant qu'on vous a préalablement donné. Ensuite, vous allez saisir le mot de passe. Et vous allez valider. Vous allez cliquer sur son compte, qui est le compte famille. Ensuite, sur l'onglet « Voir mon compte ». Vous allez cliquer à gauche sur l'onglet « Modifier mon compte ». Cliquez sur l'onglet « Identifiant de connexion ». Vous allez donc pouvoir ressaisir le mot de passe actuel, celui qu'on vous a donné. Choisir et saisir votre nouvel identifiant. Et créer donc un nouveau mot de passe. Que vous allez confirmer en le retapant une seconde fois. Et vous allez valider. Attention là, si vous avez un encart rouge qui apparaît, c'est que vous n'avez pas rempli toutes les conditions qui sont relatives au mot de passe. Donc vous recliquez sur identifiant de connexion, vous ressaisissez le mot de passe actuel, votre nouvel identifiant est resté en mémoire, et vous allez donc retaper le mot de passe. Et vérifiez bien que tous les onglets en dessous sont bien passés au vert. Et vous allez le confirmer. Et vous allez avoir, pareil, le petit onglet en dessous qui va s'afficher en vert. Vous n'avez plus qu'à valider. Vous avez bien donc un bandeau vert qui vous dit que le compte a été mis à jour. Vous allez donc pouvoir cliquer sur « Retour à mon compte ». On va voir maintenant comment réserver un document. Et là, vous allez sélectionner une carte personnelle. Là, on voit bien que la carte personnelle, vous avez la date d'inscription. Et ensuite, vous allez pouvoir faire votre recherche dans la barre des recherches en tapant le nom d'un livre, un auteur ou plus généralement un sujet plus général. Par exemple, je prends Batman. Attention, allez bien cliquer à gauche sur le site où vous voulez faire la réservation. Ici, c'est l'atelier de pêche Beaugneux. Donc là, vous allez avoir tous les documents à l'atelier qui concernent Batman. Donc là, vous pouvez scroller, faire votre choix, identifier un document. Cliquez sur le document que vous avez choisi. Et là, sur l'onglet de droite, vous allez pouvoir cliquer sur l'onglet « Réserver ». Vous avez une fenêtre qui apparaît, votre site de retrait, l'atelier. Vous allez pouvoir confirmer. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre qui vous dit que la réservation a bien été effectuée. On va aller vérifier quand même sur votre carte. Vous cliquez sur votre compte, « Voir mon compte ». L'onglet « Réservation ». Et là, vous allez voir que vous avez les documents que vous avez réservés. Vous pouvez supprimer la réservation aussi, voire supprimer toutes les réservations. Attention, point très important. Ne venez pas chercher les documents avant d'avoir reçu le mail de confirmation de notre part que les documents étaient à disposition. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous déconnecter. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se dit à très bientôt à l'atelier. Au revoir.